Salut à tous les amis, c'est Red Bull, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle série sur Scribble Notes Unlimited. J'espère que cette série vous plaira. Elle remplace en fait Remember Me que j'arrête complètement parce que j'ai plus le temps du tout de le faire. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils vont découvrir petit à petit. Moi j'ai vu quelques vidéos dessus et voilà, moi ça me plaît bien, j'espère que ça vous plaira aussi. On va tout de suite commencer, allez. Tout commence avec grand-père Edgar et grand-mère Julie. C'est difficile à croire, mais grand-père Edgar était connu pour être le plus grand aventurier du monde. Mais grand-mère Julie n'était pas d'accord. Elle aussi était une aventurière. Elle aimait découvrir les trésors avant grand-père. Et souvent, en écartant des lianes ou en ouvrant des portes qu'il croyait oubliées depuis toujours, Edgar tombait sur Julie. Et c'est ainsi qu'ils firent la course, aventure après aventure. Un jour, Julie arriva avant Edgar au sommet d'une pyramide perdue. Mais le trésor qu'elle y trouva fut une bague de fiançailles. Ils prirent une semi-retraite pour fonder une famille et continuèrent à l'agrandir jusqu'à ce qu'elle compte 42 enfants. Un jour, papa et maman offrirent deux magnifiques cadeaux à Maxwell et à moi. Le premier était un globe magique qui permettait d'aller partout sur la planète. Le second était un carnet incroyable. Si on y écrivait quelque chose, paf, le mot devenait réel. Papa et maman s'inquiétaient de trop nous couver. Alors, ils ont décidé de nous envoyer affronter les défis du monde. Sur le chemin de la ville, nous avons rencontré un vieillard affamé. Maxwell a fabriqué quelque chose à lui donner, mais lui a joué un vilain tour. La pomme était pourrie. Oh, le vieillard l'a recrachée aussitôt et s'est mis très, très en colère. Alors qu'il nous jetait un sort, il nous a traités d'enfants gâtés. Puis, il a disparu. Tout semblait comme avant. Mais quand Maxwell a repris la route, je n'ai pas pu le suivre. Le vieillard m'avait ensorcelé et je me transformais en pierre. Nous ne savions pas quoi faire. Heureusement, la ferme de notre frère Edwin n'était pas loin. Edwin s'est mis dans une fureur noire. Il était choqué par ce que nous avions fait au vieillard et nous a dit que nous méritions notre sort. Par chance, Edwin connaissait les starites. Les starites sont des objets magiques qui apparaissent quand les gens sont heureux. Quand vous faites suffisamment de bonnes actions, vous trouvez des starites. Si Maxwell utilisait le pouvoir du carnet pour faire le bien, il trouverait assez de starites pour lever la malédiction. Maxwell s'est écrié : « J'ai trouvé ! Je vais parcourir le monde et aider le plus de gens possible. Je vais récupérer toutes les starites. Et tu iras mieux, Lily. » Et Maxwell a pris son carnet et s'est dirigé vers la porte. Donc voilà, ça résume un petit peu à peu près enfin, le jeu. Et comment ça va se passer? Donc récupérer des starites pour sauver sa petite sœur. Donc nous on est le petit enfant en rouge, voilà. On va voir l'agriculteur. Alors comment on fait? Ok, d'accord. Clique sur Edwin. Son cochon de concours. Ok, donc les bases. Ok. Donc si vous n'avez pas compris, on est un petit garçon, on veut aider sa petite sœur parce qu'on s'est fait jeter un sort. On a un carnet magique qui fait apparaître des choses en fait, mais je vais vous expliquer tout ça en détail après. Alors, change l'avorton de la portée en un cochon, primé, écris un objet pour aider Maxwell à le frotter le cochon. Voilà, donc écris un objet, voilà, on clique sur le petit carnet là-haut. Et on doit écrire un objet, donc on peut écrire n'importe quoi, on peut écrire, je sais pas, un enfant, par exemple.
Et paf, il va apparaître. Alors, ok, bon, pour frotter le cochon. Donc, avec quoi on peut frotter un torchon avec un chiffon? Donc, jusqu'à nous. Ok, donc voilà, ça a marché. Donc, il y a plusieurs alternatives. J'aurais pu utiliser, je sais pas, par exemple, j'aurais pu utiliser un truc pour frotter là. Ah mince. Non, je sais plus. Une brosse, voilà, une brosse. Donc voilà, là j'ai mis à la poubelle. Donc pas bien pour augmenter sa taille. Un adjectif. Donc un adjectif. On va ajouter un adjectif. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme adjectif? Que je réfléchisse. Gargantuesque. Voilà. C'est un des adjectifs qu'on peut mettre. Donc j'aurais pu mettre grand aussi, tout simplement. Bon voilà, j'ai mis gargantuesque. On peut mettre titanesque aussi. J'aurais pu mettre. Voilà, c'est un adjectif. Alors, clique sur le cochon. J'ai besoin d'aile assez grande pour m'aider à voler. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Aile, tout simplement. Ah non. Énorme. Tout simplement. Grande aile. Le sac à dos magique stocke les objets à plus tard. Ok, donc hop. Le sac à dos. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc il faut qu'on clique là. Fais glisser au coin en bas à droite. Et jusqu'au cochon. Voilà. Donc là on voit qu'il est content, on a vu la petite bulle. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Aha. Et donc on a un podium avec le petit truc tout moche en deuxième position, enfin en troisième position le petit cochon, le truc tout moche en deuxième position et le nôtre en première position. Donc voilà, voilà, donc il est content. Et donc on a débloqué une starite. Là voilà. Et donc on va ramasser la starite. Ce qui fait qu'on a une starite. Voilà, les bases complétées. Ok. Ça, c'est fait. Au total, une. Donc voilà, là, c'était vraiment le didacticiel. Reçoit des fragments aidant les gens. 10 éclats formeront une starite. Utilise la vision starite pour trouver les fragments. D'accord, donc ça, c'est la vision starite. Aide la germe à pousser. Donc hop, on les active. Aide la graine germée à pousser. Je sais pas, on peut. Donc on va créer un objet. On peut mettre par exemple de l'eau. Environnement. Autre chose. Ok. De l'engrais. On met du naturel. Essayer de faire de la pluie. D'accord, alors de la pluie. Ça marche comme ça? Ah, d'accord. Oh. C'était ça qu'il fallait faire? Oula. La plante a fait fuir une opportunité d'amasser un éclat. Réinitialise le niveau pour remettre les objets à leur place. Échappe. Et réinitialise, ok. Réinitialise le niveau. Oui. Donc. Nous voilà de retour. Ça peut créer bien des choses. La vulgarité des objets sont sous droit d'auteur et les noms propres sont interdits. Alors attendez.
Est-ce que par rapport à la vision starite, ok, donc ça c'est fait. Aidez-moi, donc qu'est-ce qu'il veut? Et coincé, c'est un, ramenez-le à moi. Donc on va créer un objet. Qu'est-ce qu'on va créer? Donc une échelle. Ah d'accord, une échelle on peut pas. Non. Un échafaudage. Je sais pas moi. Ah non plus. Alors peut-être un bâton. Un bâton de marche. Ah ok. Non. Ah non, on peut pas. Qu'est-ce qui peut faire descendre un chat? Du fromage, peut-être. On va essayer. Donc, mais non, fromage c'est pour les souris. De la pâtée. Grimper. Ah d'accord. Oula. On va grimper. Ramasser. Ah d'accord, tout simplement. Ok. Oula. En action de ta scie pour lancer ou tirer des choses. Ah donc je peux lancer ça si je veux. Ça c'est pour la caméra. Non, retirer. Hop là, je l'ai chopé en vol et on y va. Et donc il se passe quoi là? Première étape, on te force à Lily. Utiliser l'arrêt d'autobus pour commencer ton séjour dans la capitale. Ah oui, carrément. On peut sauter? Je choisis avatar. Ah non, 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 je veux pas jouer sous les traits d'un frère déverrouillé là. Ça c'est quoi? Ah, je l'ai déjà fait. Est-ce qu'on peut sauter? Ah oui, on peut. Ok, donc là on a une petite flèche. Donc la capitale. Ok, donc bienvenue à la capitale. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je suis en... que je tourne là. Bon, on verra bien. Alors. Déjà il y a du monde là. On va utiliser la vision starite. Ah, il y a un enfant ici. Alors, je veux que quelqu'un me divertisse. On va mettre un adjectif, diverti. Tout simplement peut-être. Non. Non, ça marche pas. Donc là voilà, garçon diverti. Donc on va créer un objet. Je sais pas, quelqu'un. Que quelqu'un le divertisse, un comique. Ah, bon, c'est un clown en fait. Oula. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, la voiture. Je suis stationné illégalement. Et on va créer un objet, mais je vois pas du tout ce qu'on peut. Une dépanneuse. Voilà, pour la déplacer peut-être. Ah mince. Une dépanneuse. Alors, monter,
avance. Oula. Descendre. Ok, donc... Ah d'accord, donc en fait le flic est arrivé, mais une fois qu'on l'a enlevé. Ah, il y a un tag ici. Tellement disgracieux. Un graffiti. Comment on peut l'enlever du détachant. Détaillant, delta plane, déodorant, déchets. Détergent, ouais, plutôt. Nettoyer. Ah, ça marche avec du détergent. Hop, on chope en vol et on le range. Ensuite, qui d'autre? Ah, lui, qu'est-ce qu'il veut? Place quelqu'un dans la cabine téléphonique pour me créer un acolyte. Un humain. Non. Utilise le calepin, crée un objet. Un humain. Voilà. Oh, un voleur. Hop là, on va un adjectif. Endormi. Oh, je l'ai eu. Et lui, il s'en bat les couilles. Ah, il s'est barré. Et ensuite, donc... Oh, il y a un truc ici. Créer une fontaine pour la ville, placer un objet dans l'eau. Ah ouais, on peut placer un objet dans l'eau. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut placer dans l'eau. Ah, je sais pas. Créer un objet. On peut mettre quoi dans l'eau? Un ours. Hop, il en fout dans l'eau. Eh, il s'en va. Ah, c'est là. On va interagir. Oh, chaud. Oh, il y a des billets. Je ramasse des billets, moi. On peut pas. Oh, c'est nul. Ensuite, on peut aller par là-bas. Ah ouais, une étoile bleue, et après. Ah ok, donc ça c'est un gars. Normal. Je veux voyager sur la mer. Vas-y, on va te mettre un sous-marin. Il est trop fier. Le mec, il a un sous-marin, il est déter. Il va se barrer avec ou pas? Ah bah non. Et donc lui, c'est quoi? Non, je vais faire lui et après je pense qu'on va arrêter là. Et d'ailleurs, je sais qu'on peut faire des jeux de foire. Ah d'accord, c'est un mini-jeu. Je sais qu'on peut personnaliser son bonhomme en fait en créant des objets. Donc je pense que je ferai ça en fait hors vidéo. Et donc, pour le prochain épisode, ça sera cool. Sur les bouteilles, mais ne traverse pas la barrière. Ah, je peux lancer des trucs. Ah si, je peux pas faire apparaître des gros trucs. Genre un canon. Un canon de marine, un canon terrestre. Ouais, ça. Non, on peut pas le retourner. Attendez là.
comment on peut le retourner? Je sais pas. On va voir dans les options. Options, commande. Zoom, interagir, F. Dans le jeu, non, dans le jeu. Pivoter l'objet. Ah, E. Ok. E. Ok. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Du tout. Bon, tant pis, je vais pas me faire chier. Je vais prendre mon truc. Qu'est-ce qu'il veut? Essayer quelque chose de lourd. Ah, d'accord. Bon, bah, on va le faire simplement. On va faire... hop. Une boule de pétanque. D'accord. Et si on balançait un chat? On peut le lancer? Oh, on peut pas. Et si on met sur cette bouteille? Cassé. Ça marche pas? Tant pis. Bon bah une balle. Ah, plomb. Ouais. Oh. Ah si. Ouais, trop bien. Sniper. On peut pas? Ah si, on peut. On peut pas tirer dessus? Ah non. On va créer un objet. Un fusil. Chier. Oh chaud. Oh, je les déboîte. Et ensuite. Ah ouais. Bah je vais garder ça. Ouais, j'ai eu une star hit, trop bien. Non, ça suffit, arrête, 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 arrête. On peut faire quelque chose avec ça? Monter, vide, filer. Ah, mais elle est retombée dedans. Utiliser le calepin, c'est adjectif. On va mettre volant. Ouais, est trop bien. Oh, il fait quoi lui? Mais il est fou cet enfant. Eh, on va utiliser le capin. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Regarde, 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 regarde. Hop, mort. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, t'as gagné. J'ai deux star hits. Et c'est sur ça qu'on va se quitter les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je prends du plaisir sur ce jeu. Allez, écoutez, on va se laisser ici. Je vais me faire mon petit perso tranquillement. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens.